Vous avez remarqué quelque chose? La sonde a changé de côté. Parce qu'en fait, la sonde s'est bloquée et du coup, il a fallu la retirer et en mettre une autre. Franchement, c'est pas du tout agréable, pour pas dire que c'est très agréable. Bref, je vous en parlerai, raconterai si vous voulez. D'ailleurs, quand je parle, ça titille ici, c'est. Bref. Ça fait un mois et demi que je lis, alors je commence à en avoir un peu marre, j'avoue, mais bon. Ça m'a aidé à reprendre du poids, parce qu'il faut savoir que là, j'ai repris vraiment de l'appétit, plus qu'avant le Covid. Et par contre, pour l'eau, c'est encore un peu délicat, mais bon. Et en plus, on passe comment dire, on me met tout le temps des seringues, donc du coup, j'ai pas trop envie de prendre par la bouche. Mais j'ai quand même encore la soif qui est là. Même si j'ai assez d'eau dans l'estomac. C'est bizarre, parce qu'en fait, on a soif de prendre dans la bouche, alors qu'on a assez dans l'estomac. Très bizarre comme sensation. Faut avoir porté une sonde pour comprendre ce que je dis. Donc, ce que je voulais dire, je vais essayer de parler doucement. J'ai pris quasiment. Là, j'ai pris 9 kilos, en fait. Je suis passée de 34 à 43. Et j'ai encore l'intention de prendre 8 kilos pour arriver à 51, qui sera un poids normal. Je ne garantis pas que je vais y arriver, je ne garantis pas non plus que. Peut-être que si je suis à 49, je serai contente. Voilà. En tout cas, pour l'instant, ils me laissent la sonde encore, je pense, un mois. Parce que, ouais, un bon mois. Je pense que dans un mois, je peux arriver à 50 kilos. Voilà, vu comme ça se passe. Covid d'autres, là, je me dépêche parce que j'ai l'infirmière qui va venir m'envoyer mes 2 seringues d'eau. Parce qu'elle fait pas confiance, elle a bien raison. Non, je veux dire, les 2 seringues, oui, je vais les prendre, mais. Un coup sur coup, ça fait bizarre. Et il paraît que, parce que j'ai compris, parce qu'on ne me dit pas tout, j'imagine, ils parlent entre eux, mais avec le patient, c'est toujours comme ça, hein, en France, vous savez que moi, il en sait mieux, c'est ce que j'ai comme sentiment. Et des fois, on a l'impression, ça c'est un autre débat, qu'on nous prend pour un enfant. Oui, il va falloir le faire ça, il va faire ça, je suis là. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je sais plus ce que je disais, c'est super. Oui, les deux seringues d'eau, pour moi, au départ, c'était difficile parce que mon estomac, en fait, il était habitué à faire avoir, comment dire, ben, en fait, j'avais l'impression de satiété, hein, aussi bien pour l'eau que pour la nourriture. Le problème, c'est que c'est au fil du temps, ce que j'ai compris, hein, c'est que c'est un muscle, au fil du temps, il a fait comme un vessie, il s'est ratatiné. Du coup, dès qu'on lui met un peu d'eau, il dit top. Et moi, comme je suis devenue hémétophobe avec le temps, c'est compliqué. Donc, quand elle ma scène, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Pour moi, ça m'a vécu un peu comme une agression. Comme je dis, vous venez maltraiter avec vos coups de seringue, alors regarde avec grand yeux, je vous donne à boire, hein, c'est tout. Mais bon, voilà, faut comprendre que c'est difficile pour moi, mais c'est un mal pour un bien, en ce sens que. C'est censé réhabituer finalement mon estomac à je sais pas comment dire ça, dilater, non, à travailler quoi. Parce qu'à présent, il était tout le temps au minimum syndical, même moins que le minimum syndical, et là, il apprend à. Je ne trouve pas les mots, mais ça alors. Accepter plus de quantité, que ce soit de l'eau ou des aliments, et ça mène du coup à reprendre l'appétit. Vous voyez, ma satiété arrive plus moins rapidement qu'avant. Voilà, donc du coup, ça explique pourquoi je prends du poids. Hein. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça va, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je ne sais pas quoi commencer. Je vais vous montrer mes aquarelles, les dernières aquarelles. Quoique, je suis pas sûre de y arriver parce que j'ai mon joyeux qui est en mode batterie très très faible, il n'y a plus que deux voyants rouges. Je pense que c'est la première fois, même, je suis sûre que vous avez. Ah ouais, il a, voilà. Ah, vous voyez là? Voilà. Ça m'a été inspiré là. Un petit dessin que j'avais pu retrouver. J'en aimais bien, donc c'est deux. Alors, ça, c'est fait comme au chaud, c'est pas d'aquarelle. C'est comme au chaud, je suis en train de préparer
un Kindle. Je vais faire une formation, sinon je vais faire un Kindle pour apprendre à se servir des gros chauds. Voilà, que des gros chauds. Et donc, je vais aller. Et les autres qui sont. Ah ouais, attendez. Ouais, allez. J'arrive. Voilà. Alors, là, celle-ci, là, c'est paysage. Paysage, ça m'a fait inspirer de l'aquarelle, et là, j'ai eu cette expérience. C'est des brochots. Les brochots, c'est quoi? C'est juste des pigments de couleur qui sont sous forme de couleur. Petit. Bon. Ça, c'est. J'ai juste cherché à mélanger, à faire des mélanges entre du bleu et du rouge. Là, c'est un autre. C'est un peu abstrait, ça. Là, on a. J'aime bien l'eau. Là, c'est un peu trop sombré. Mais là, j'aime bien le reflet. Voilà. Et puis, ça m'a inspiré de l'aquarelle que j'ai eue. Bon, alors, la photo. L'aquarelle que j'ai eue est sous copyright. Enfin, on ne saurait pas que je dise qui est l'auteur. Je ne sais plus. Désolée. Je ne sais plus. Bon après, c'est du gros chaud, donc c'est pas tout à fait. J'ai pas reconnu l'aquarelle exactement. Je me suis inspirée. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. Et à bientôt.